Situation pays a extrêmement compliquée là. C'est grave et c'est très grave même. Mettez sous crise politique nous gen là. Mettez sous insécurité nous gen là. Maintenant, c'est des groupes terroristes, des groupes rebelles, gang armés qui terrorisent population grand midi. La capitale Port-au-Prince. Et qui dit Port-au-Prince, c'est le centre névralgique, c'est là où joignent toute activité économique, yo. C'est là où joignent bastion politique, là. C'est la force publique, yo, installée, yo. C'est là où joignent l'armée, siège armé. C'est là où joignent siège police nationale, là. Et puis, jodi, c'est là, c'est dans Port-au-Prince, toute dérive, ça va passer. Insécurité a dit pour l'autre dimension. Gang a fait appel à la révolte. Où est monsieur gang yo kounia yo pas peur yo pas crainte. Yo légitime pour yo instaurer un climat de peur, un climat de terreur dedans pays. Yo a bail business ultimatum, yo a bail citoyen ultimatum. Qui leur pour yo quitter travail, qui leur pour yo rentrer la caillou. Mais le pire de tout ça, c'est que groupe gang ça yo pas agi seul, yo agi sous l'influence de différents groupes politiques et économiques en dedans pays. Faut que nous disons bravo avec la police parce que jodi nous ouais plus ou moins une police nationale qui voulait camper face avec bandi, qui voulait riposter contre toute attaque bandi à faire sur population, faut nous souligner. Bien évidemment, ces réponses n'a pas cherché. Et là, nous prenons le pour qui ça avant division ça, pour qui ça bataille ça, li pété dans mi temps, j'ai 9 familles alliées. Bonjour, bonsoir la famille, et bienvenue tout le monde. Yon seul rendez-vous, yon seul chaîne, dans TAC 609, tout haïtien connecté, ou dans l'émission Mon Éditorial. C'est toujours un plaisir pour nous rejoindre nous, pour nous parler pays, pour nous faire débat. Jodi à là, nous prenons parler. Pile en pile bagay. Parce que j'ai famille alliée, son structure que pouvoir te mette campé, pour te ka contrôler gang, pour te ka contrôler influence monsieur Sayo genye nan Port-au-Prince. Eh bien, jodi an la, ça dépasse yo. Nous face avec un jeune famille alliée qui divise, c'est structure là qui campé, mais gang yo divise. Et conséquences extrêmement graves. C'est population qui pral payer pour casser yo. C'est entrepreneur qui pral payer pour casser yo pour la plupart qui pas dans connivence avec bandi. Mais vidéo rete connecté. Ou même qui regarde vidéo a qui pourquoi abonner à channel là pas hésiter faire ça rapide vite. Gien bagaille pour connait. Gien information pour joindre c'est seul là ou ka joindre yo comme ça. M'a dit un grand merci à tout fanatique. Merci pour écoute nous, merci pour attention nous. Merci Wilson Wisisa TV pour montage à réalisation émission si là. Des micro présentation, c'est toujours même Yannick la même voix. Rien pas changé. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter tous les jours à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon Éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Est-ce que ce qui passe là, dans le temps de nos familles alliées, n'est pas en division programmée? Parce que nous, depuis commencement mois de juin là, bataille pété, non m'a dit ça. Bataille pété entre Iso, entre Tilapli, entre Kisla. Maintenant, Badelma rentre dans la bataille, Negyo prend zam, jeune garçon, jeune dimoun, qui pou ta souban l'école, qui pou ta nan formation professionnelle, la pa prendre un bagay pour utilité yo, pour utiliser société. C'est eux même qui nan groupe gang, qui prend zam, cap terroriser population. Je tiens à la sa cap passer dans Port-au-Prince. Nèg politique yo pa innocent la dan.
élite économique là pas innocent là-dedans. Parce que gon façon nèg la besoin prend pouvoir dans pays ça c'est zam qui pour prendre gon façon nèg la besoin protéger ça fait comme patrimoine ça gagne comme business c'est zam li obligé dans cocotte dans figaro avec bandi dans connivence avec bandi et c'est une situation qui tellement répété dans pays ça que nous pas connait jusqu'qui le bagage ça suspend parce que élection c'est zam qui fait protéger intérêt c'est zam qui pour faire. Il y a les forces de police qui là, il y a les services de sécurité qui là, mais non. Je dis à mettre business man yo, yo préféré dire avec bandi, yo préféré mettre sécurité business yo dans mon groupe bandi. Yo alimenter bandi dans zam, yo alimenter bandi dans munition, yo paye bandi. Eh bien, yo contribué tout, nan krasé, nan mette plus insécurité dans le pays, nan déstabiliser le pays. Le nou kon ap tande yo di nou, des séries de nèg sur autoroute Delma, paye des séries de base qui pi près business pour yo vin ba yo sécurité, pour yo empêcher le manifestation, pour l'autre moun, l'autre groupe gang vin krasé business, vin vandaliser business. C'est vrai. Parce que les intérêts en jeu sont menacés, depuis qu'ils sont menacés, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tuer. Ils sont prêts pour terroriser la population. Et je dis à ce même groupe Nexayo, qui sont des figures en politique, qui se voit jeunesse, qui se voit masse défavorisée, qui se voit monde qui est faible. C'est ça que vous voulez faire nous comprendre. Nous besoin jodi an un équilibre politique vrai, nous besoin l'équilibre économique vrai. Nous besoin le respect de l'équilibre social, mais on dirait que chaque monde gen préoccupation pa yo. Besoin population pa interpeller conscience, sa population besoin pa garder yo. Son question de gérer pouvoir, son question de prendre pouvoir, son question de lutte perpétuelle, une bataille continue qu'a fait. Et tout nèg senti yo confortable. Jodi a la, lò di m, ou son éventuel candidat à la présidence, ou son ancien parlementaire, li facile pour les bandits, pour di bandi wap bazam, wap balkob, pour la terroriser moun, pour la défendre son bali comme intérêt. Jodi a ou mette bandi confortable tout. Parce que bandi sa ou bay job lan. Ou toujours dans nécessité pour protéger. Soit protéger ou bien tuer, parce que tôt ou tard, ou ap konne ou ap sou en prison. Et ces situations ça qui rend bandi ici confortable, qui rend bandi ici konne, yo légitime pour yo touye moun. Yo légitime pour yo terroriser population. Et oui, si gon bagay nan pays ça qui pi légitime jodi an la, c'est pote zam, c'est zam nan. Et nèg bandi yo di la très clairement oui tout zam légal pou yo yo nan la rue la yo fou yo tan kouche enragé nan Badelma la y a fait appel à la révolte y a dou y a changé système y a fait des chouka etc. tout zam légal pou yo là nous senti bandi yo a pran assurance parce que faire de pareille déclaration c'est comme si ou di maintenant c'est ou même qui gen monopole de la violence légitime non c'est ou même qui remplace la police c'est ou même qui remplace l'armée comment faire zam nan légal pour alors que nous c'est des terroristes et moun n'a tué c'est bagay moun n'a volé c'est viol c'est cadre Jacques n'a fait et puis nous légal zam nous protéger l'illégal comment faire division ça a pété dans mitan jeune famille allié. Ça qui veut c'est que gouvernement, administration Jovenel Moïse, yo te prétend que yo te ka contrôler G9. Fait G9 lance yon, contrôler G9 lance l'autre. Maintenant, il y a l'international. Et nous connaît très bien tout ça qu'a fait dans pays international là, li gen regard li sou li. Yo gen yeux yo sou li. G9 fédéré pas grand exemple du côté de l'international. G9 a fonctionné pas grand exemple du côté de l'international. Mais une fois que massacre fait dans pays yo, yo indexé des séries de groupes gang qui dans G9. Des séries de chefs gang qui dans G9. Yo indexé, yo impliqué dans massacre ça. Là donné yo commencé changer.
si jodi a la États-Unis a mandé pour tout moun ki implike dans massacre la Saline, dans massacre Bel Air, pour yo arrêter, pour yo marier yo, gouvernement obligé la gipiel, gouvernement obligé yo même yo déconnecté. Et d'ailleurs fait mandat président Jovenel Moïse a privé, faut gen tête ki bay, faut gen tête ki coupé. C'est dans sens ça G9 divisé là, oui. C'est ça qui mettait division, qui mettait bataille ça dans mitan G9 famille alliée. Parce que qui s'arrivait, monsieur G9 yo te prétendre que gouvernement, administration Jovenel Moïse li allié yo vrai. Yo se allié yo ka compter sous pouvoir, yo ka compter sous des hommes forts qui dans administration Jovenel là. Sous des hommes forts qui n'ont pas les nationales, qui te ka aide yo, maquillé, qui te ka aide yo, et fait simulation, etc. Mais je dis, là, tout le monde l'a gué yo. Tout le monde a abandonné yo, yo pourquoi yo là? J'ai 9 familles alliées, c'est lui-même qui a baptisé lui pourquoi, avec les faibles moyens du bord, pour yo sortir dans sa rue là. Les faibles moyens du bord, c'est qui s'allie? Toujours gen financement pas bon côté différents secteurs, différents groupes politiques. Toujours gen financement pas bon côté certains hommes forts de l'élite économique. Nèg qui gen port privé, yon ka fè zam rentre, ka fè bal rentre, nèg ka bay l'argent. Yon toujours fait yo. Ça toujours fait. Mais, l'autre senti ou te karele des séries de nèg qui nan pouvoir n'importe qui le. Jonvle, l'ovle pour parler, pour mandon service, etc. Mais le koun yo vin pa ka fel, ou trouvo non situation kote ke ou abandonne, ou trouvo non situation kote ke ou trahi, et se sa gen la. Jodi a ouen neg yo abdou fok sistem nan chanje. Yo pa vle sistem sa, demain yo ka vini yo dou kon sa, yo pa vle référendum, yo pa vle élection tout. Parce que chef gang yo téléguidé, chef gang yo sou influence. Yo sous l'influence politique, yo sous l'influence économique. Il y a les patrons, il y a les grands patrons. Ah bien c'est ça. Kon y a nous connaît déjà que groupe gang yo, chaque chef gang yo gen nèg k ap bay yo zam. Alors que la police en lui-même, si gouvernement pas mette l'argent disponible, si États-Unis, si Canada pas décidé bay yo zam, yo pa gen zam. Là déjà gon disproportionnalité, déjà gon déséquilibre. Si nous face avec déséquilibre ça et nous saute garder là dans commencement mois de juin, comment bandi yo, comment gang yo, yo commencé organiser yo pour attaquer sous commissariat, pour attaquer les antennes de police. Des attaques qui coordonnées, des attaques simultanées. Autant de un tel prend tel sous commissariat dans Saint-Joseph, un tel prend la Saline, un tel prend du Vivier, un tel prend, un tel prend, un tel prend. Kounia dit tête non. Est-ce que si y a des attaques simultanées encore qui refait dans sous commissariat, dans commissariat, qui fait dans des entreprises, qui fait dans des institutions de l'État, comment la police va réagir? À qui effectif la police va réagir? Qui quantité nèg, qui quantité policier pour yo ta dépêcher? Pour aller porter réplique avec bandi sa yo. Parce que bandi yo même groupe gang yo yo gen plus passé 100 nèg gen ki rive jusqu'à 250 400 600 000 même parce que gen gang ki gen garçon adan yo nou gon effectif dans la police m'pa même quoi ki rive 20 000 policiers. Na comprendre situation, na comprendre disproportionnalité, disparité qui gen là aujourd'hui. Des fois là n'a dit la police en impuissant. C'est pas pour nous faire policier au peur, c'est pas pour nous déstabiliser policier non, mais quelque part son vérité. Bout part de vérité là-dedans. Jodi a là bandi nèg ki nan gang nan, li pa peur pour aller dans affrontement avec on l'autre base, li pa peur pour l'affronter policier, pour l'affronter l'armée. Pour qui ça parce que li connaît s'il mouri bandi pareil li yo, nèg li les frères d'homme pareil li yo, yo a venger le quand même. Alors que pour policier li pa gi quiétude d'esprit, li pa gi tranquillité l'esprit le même. Li connaît s'il mouri là, li pa konn sa famille bral joindre derrière, li pa konn comment famille bral vivre derrière, li pa konn qui encadre, mais bon pas même konn si li même la privé enterré. Parce que prend pile policier, c'est eux même qui tête famille yo. Son situation nèg la vinn sauver dans la police.
l'a toujours peur, l'a toujours fricat, l'envoyer la mission, l'esprit il pas posé. Alors que bandi en lui-même, bandi en psychologiquement, bandi en stable, bandi en pas gain rien la inquiéter, pas pour inquiéter de rien. Tuer moun parmi nan rien pour lui. C'est un conquête vers la vérité, c'est un conquête vers l'estime de soi bandi en. Il a fait parce que à chaque monde bandi en tout, à chaque mission où il a le fait, lui exécute de manière positive, c'est grade lui prend, c'est échelon à monter. Donc bandi yo même yo tant kou des féroces, des chiens enragés. Et si gen chien qui enragé, nous supposer face avec des autorités qui là qui ka contenir rage ça yo, qui ka contenir violence ça yo, c'est pas moun ka prêter bras croisés, c'est pas moun ka faire de faux promesses, c'est pas moun qui chaque jour dans tête ton administration, dans tête ton gouvernement ka prend et des mesures ka faire de faux promesses. Yo prend des mesures en conseil des ministres qui pas jamais capoter fi, qui pas jamais capoter résultat, solution yo pas jamais là. M'a rappelé moi-même l'ancien premier ministre Joseph Jout te prend des mesures en conseil des ministres pour déteindre vite ma chaîne. Quand tu t'es tolé, quand tu t'es contentement ça t'est porté pour ennemi ton groupe moun. Et quand tu t'es indignation, quand tu t'es ennemi t'est porté dans ton l'autre groupe. Parce que tente vite machine nan son doit ou te payé pour ça et puis administration on décide de couper quoi avec tout bagay. Eh bien ça c'est pas ton solution le avec question kidnapping nan, non machine détente kidnapping a fait pire aide parce que kidnapping nan son zame politique lié nèg yo utilise kidnapping nan pour dissuader des populations gien bagay ki pa marche nan pays an et effectivement gien bagay ki pa marche vrai pa gen sécurité. Pas de quiétude d'esprit dans la population. Ou sorti ou pas qu'on si ou ap rentre. Sou sorti, si ou ap ple de pren la rue activité ou se nan la rue en liye. Faut qu'on ti l'ange, faut qu'on ti tchotcho rançon qui serre la kayou. C'est qu'on s'allie, c'est un fait. Et devant faire accompli ça, nous avons une communauté internationale qui a gardé. Son réponse liye pour la communauté internationale. Et à chaque instant, chaque fois kidnapping a fait, nous toujours t'as des gain notre cap sorti pas bon côté. Les autorités, les amis d'Haïti cap dit que faut nous mettre sécurité, faut nous font dialogue politique etc. Faut gain la paix, faut sécurité rétablie dans pays, faut gon dialogue qui fait pour nous joindre une stabilité dans question politique là. C'est réponse ça toujours bail parce que du côté même de l'international, yo connaît dans politique là. Tous les moyens sont bons pour arriver à terme. Tous les moyens sont bons pour atteindre l'objectif ou même fiction là. C'est comme ça nèg yo wè politique là, c'est comme ça nèg yo fè politique là. Yo pas besoin qu'on ait si ces populations yo dit y a protéger intérêt yo qui menacé. Yo pas besoin qu'on ait si ces peuples qui exposé pour un grain de mangomi yo prêt pour vider tout ton pied vert. Et transition ça nous tande nèg yo a préparé dans opposition politique là. Que le demain, que le nan 6 mois, que le nan 1 an. Yo même c'est ça nan tête, yo c'est ça yo vle. Et yo paré pour yo faire n'importe bagay pour yo sauver transition, pour yo mettre transition en campé. Alors que yo dou yo préserver démocratie, yo a préserver les acquis démocratiques. Démocratie en li mandé à chaque 5 ans pour gon gouvernement élu, pour gon président élu. Yo toujours oublié l. Yo toujours oublié principe ça. Et j'en moi là. Opposition politique là, yon met sauter, yon met pompe, yon met fait ça. Yon vle président Jovenel Moïse la prête là, kote liye a. Oye a ale, oye a tourne. Yon pa vini pour Jovenel Moïse. Yon vini pour yon rale zore opposition politique là, chita dialogue, parle entre nous. Oye a 2004 là, c'est pas oye a 2021 là. Yon pa vini changer rien pour nous, et d'ailleurs là, nous sautouel. Président Jovenel Moïse qui choisit reconduit Claude Joseph comme premier ministre par intérim non. Son réponse directe li voye par opposition politique là. Comme nous pas prêt pour nous dialoguer, nous pas prêt pour nous faire gouvernement de cohabitation, moi-même moi choisi reconduit Claude Joseph. Et s'il le faut que reconduit Claude Joseph jusqu'à 7 février 2022, yo a fait. Président a fait chaque mois l'absorption arrêté pour le reconduire Claude Joseph, etc., etc., ainsi de suite. Parce que nous-mêmes, nous pas avoué dialogue. Nous-mêmes, nous pas avoué gouvernement de cohabitation. Nous pas dialogué avec, nous pas chita parler avec, mais moi-même, m'a imposé nous.
Et malgré tout ça, nous tendez, malgré tout voye pied, tout voye monte, ka fait par bon côté opposition politique, là. Malgré toute stratégie nègre à employer jodi an la, Claude Joseph, c'est figure emblématique de gouvernement Jovenel Moïse. Ouvle l'ou pavle l'ou gienl. N'a pour reprocher l'incompétence, n'a pour reprocher l'incohérence li, n'a pour reprocher l'inaction, pas de problème. Ça est visible, ça est c'est un fait. Si qu'on y a, Premier ministre Claude Joseph tavle pour yon wèl en l'autre façon, pour yon wèl comme un premier ministre qui travaille, qui porte solution, qui baille bandi réponse, faut que pendant la tête CSPN, non, faut que li connaît li gon responsabilité envers la population haïtienne, non, li gen des engagements envers le peuple haïtien, pour yon combattre la sécurité, pour yon mettre la paix, pour yon mettre la sécurité en dedans pays, faut que li vini avec des plans stratégiques. Pour y arriver déjà que tout plan vagabond gagne pour écraser pays. Autrement, pas dit que gagne chef de gouvernement dans pays. Moi même pas d'accord avec premier ministre qui vient faire show off. Ou c'est premier ministre ou gagne autorité pour agir, c'est agir. C'est pas un privilège, c'est pas un cadeau, son mission gagne, c'est respecter son gagne comme mission, respecter engagement, prendre responsabilité. Autrement fonction le pas pour autrement travail ou met au faire pas ka faire c'est aller ba l'autre monde place monde qui ka faire nèg sa ok la ka fait politique là ou gen plus passé 30 ans en politique et ou pas jamais kachita ensemble pour yo vin avec un plan de développement pour pays hein yo pas jamais kachita ensemble pour un plan de restructuration pour pays hein alors que yo tout gon seule vision c'est prendre pouvoir dans pays hein mais prendre pouvoir comment avec les hommes par les hommes. C'est bay vagabond zam, c'est bay jeune yo zam nan quartier populaire yo parce que yo konnen yo pa pleve lou, yo pa pleve léger. Depuis élection pral rive pays en chaud, depuis élection pral rive plein zone de non droit. C'est ça yo mette comme base politique là, c'est zam. C'est influence ou gen qui bon pouvoir jodi an. C'est influence ou gen qui permet ou prend pouvoir. Et sou pa gen nèg exam d'ailleurs ou pap kare sou pouvoir. C'est ça. Jodi an la, force légitime dans pays, c'est la police avec l'armée. C'est ça nous connaît, c'est ça nous wè. Mais derrière chaque structure politique, derrière chaque groupe politique, yo gen force politique par yo. Yo gen moun ki ka persuade moun, yo gen moun ki ka dissuade moun. Jodi an la, ou pa d'accord avec idée en groupe nèg. Par exemple, je ne suis pas d'accord avec les opposition politique là, il y a mené pays. Il n'y a pas une vision commune pour pays. Il y a un groupe monde par qui a dissuadé. Il y a un groupe monde par qui a persuadé. Parce que sous balance politique là, c'est force tout. Sous balance politique là, il y a pouvoir tout. C'est même genre en 2004 là t'ai gagné rat pa kaka, tout monde connaît c'est la valasse même qui t'ai metté rat pa kaka, qui t'ai créé rat pa kaka. Jodi an la faut nous admettre tout. J'ai une famille alliée qui structure. C'est régime PHTK qui mettel. C'est sous administration Jovenel Moïse li campé. Yo gen part de responsabilité dans fédération groupe gang sa yo. Et jodi an la groupe gang sa yo qui divise, groupe gang sa yo qui terrorise population, yo gen part de responsabilité tout là-dedans. Et engagement aujourd'hui envers peuple haïtien, c'est rétablir la paix, c'est rétablir la sécurité, c'est river fond désarmement. Mais est-ce que le possible? Qui compte pas le passé là pour parler de désarmement? Force politique là, c'est dans les âmes liées. Équilibre politique là, c'est dans les âmes liées. Aujourd'hui là, si le gouvernement fait désarmement, c'est capoter balance politique là. Est-ce que c'est vers lui-même qui capote ou bien c'est sous l'autre bois qui capote? Parce que tout nèg a bay zam, tout nèg gen intérêt dans zam yo bay lan. Et tout moun a choisi protéger intérêt yo coûte que coûte. Combien fois dans l'histoire pays nous tande te gen désarmement qui fait? Le ministre tante la te gon ti désarmement qui te fait, quelques grain zam qui te bay. Yo moutro yo te détruit yo. Tout récemment là, CNDDR te prend quelques grains d'âme. Bagay nèg pas besoin, bagay qui pas ka servir encore, mais paquet d'âme neuf ça au moins
dans vidéo. Pas que zam ça au cap circuler sur réseaux sociaux. Nous pensons nèg a fin investi l'argent, pas que l'argent yo. Nous pensons zam ça yo pral détruire vrai. Et pour ta détruire, il va t'arriver joindre ni comment pral joindre ni, qui compte pral passer pour joindre yo. Ta les cargaison zam yo vini yo fin saisi yo. Après ça côté yo fait ou pas connait. Non mais qui est ce allo pas connait. Police a saisi zam nan mes bandits. Zam nan pa ka tourner comme preuve à conviction dans procès dans tribunal non parce que zam ça il est dans la rue encore, il est dans la rue déjà oui. C'est pas sans raison tout temps n'a pas des pièces à conviction perdu, zam perdu. Balle perdu, grenade perdu etc. parce que don trafic qu'a fait à travers commissariat yo, gè trafic qu'a fait dans tribunal yo. Gè trafic ka fèt gen moun ki influyen nan pouvoir, gen moun ki influyen nan secteur privé ki a passé des appels de coup de fil ka fèt. Gè konnivans pa bon côté pouvoir l'état yo. Jodi an si pa si c'est pas à travers conscience que nèg yo prend pour yo sa ka fèt nan pays an pa bon côté a traîner pays an pa bon, pa jam gen stabilité vrai nan pays an. Ça ka fèt la son question de conscience liye. Parce qu'on pas qu'à dire toutes ces autorités de l'État. Population haïtienne dans bon mission pour défendre, pour protéger intérêt. Et puis tout ça rejoint pour faire ces bail bandizam en façon pour kembe pouvoir, en façon pour kembe porso. C'est le même jeudi à la gen un groupe policier. Puisque nèg la détanché avec un sénateur, li détanché avec un député, li détanché avec des officiels de l'État. Yo tout fait retourner coursier. Jodi an la, officiel sa li bezwen voye enveloppe l'argent ba un groupe gang, c'est policier. Li bezwen voye zam ba un groupe gang, c'est policier. Et c'est comme ça tout yo tout rentre dans gang, c'est comme ça tout yo tout vin allier bandi. Parce que policier an vin sans scrupule, policier an vin confortable pour le servir bandi, pour le tourner tchoul bandi. Alors qu'on gon mission pour protéger et servir. Ou gon mission prête allégeance avec un pays, avec un peuple, avec une institution. N'oubliez de voir nous. N'oubliez le sens de la morale. On ka comprendre nous risquer, on ka comprendre nous pas vle perdre job là, on ka comprendre que ou pas vle pour yo passer un coup de fil pour yo détacher. Non trop perdu, mais c'est pas en raison pour faire tout l'officiel, pour faire tout le gang d'eau. Tout le gang oui, ou tomber bas. Non, mais en sérieux. Gang sa yo lè jwenn okanjon pou yo tue un policier, yo fè sans remords. Et puis jodi an la, ou gen mission, ou gen objectif pour servir un pays, et puis c'est moun, c'est ennemi paysan, c'est ennemi nation, c'est avec que nous choisi deal. Non. Un pays pa ka fonctionner comme ça, un pays pa ka fait comme ça. Sa nèg yo fè politique la tourner an, li pa possible. Et qui ça nous ka attendre nan jou ka vini yo en bas men jeune fami allié. Nou pa ka espérer espoir, pa gen espoir. C'est empirer situation a empirer parce que on dirait que tout Port-au-Prince li en guerre, tout pays en guerre. Capital pays qui se sent côté toute activité, c'est là tout bagay important moun régler yo. Jodi on descend Port-au-Prince, demain pa ka descend Port-au-Prince. 8 heures Port-au-Prince bon, 10 heures Port-au-Prince pas bon. Est-ce que m'ka mande policiers yo pour yo risquer vie yo? Yo gon mission certaine envers population. Mais à qui équipement? Est-ce que yo préparé pour ça? Est-ce que gen matériel pour ça? Est-ce que gen effectif pour ça? Jodi a la peuple la pa ka joindre sécurité. Ou paquet policiers yo détaché yo. Avec petite, avec madame, avec ménage. Chaque officiel gagne pas 3-4 policiers qui détachent avec elle et puis détachent avec madame, petite yo encore. Eh bien, côté sécurité pour population, côté accompagnement gagne pour peuple haïtien. C'est normal, le bandit entre dans sous commissariat, yo, dans antenne de police, puis on pas qu'à un effectif qui réplique. Parce que quantité d'armes, quantité de munitions gagnées, nous affectés avec l'autre service. Gagné sous commissariat, ces armes policières, avec 2-3 vieux 12 qui gagnent, oui. Dans l'antenne de police, on pas même quoi. On pas même quoi, gagné des armes de réserve.
Pas même quoi ça. Alors que nous connaissons pays li sous pied de guerre, nous connaissons comment insécurité a e, nous connaissons gang qui gen dans capitale seulement. Si nous avons réuni toute gang ensemble, y a presque bay on canan effectif la police. Pour me pas dire demi parce que je ne veux pas être méchante. Mais sérieusement, une réforme qui passe mais qui doit faire dans l'institution de la police. Et si le gouvernement sentit que non je cap venir là au PNH pas carré pour avec besoin population en termes de sécurité. Effectif qui est dans l'armée, il pas ca répondre avec besoin paysan. Non je cap venir là, que on fait ce que de droit. Mande aide, mande accompagnement, mande assistance. Parce que trois victimes innocentes, trois moun mouri de manière innocente dans pays. Pendant que bandi yo, yo libre yo fè la loi, bandi yo zam ki nan men yo dou se zam légal, tout zam légal. Et zam yo légal parce que c'est bandi légal qui instaure climat insécurité. C'est bandi légal yo même qui a financé insécurité. Jusque ça quand qui le bagay sa suspend, qui le la fini. Li paraît légitime jodi an pour gang a intimider moun, pour chef gang a terroriser moun. C'est drôle. Institution indépendante menacé, tant kou map tande Pierre Espérance nan micro la presse qui t'a parlé, qui t'a dit que et li alerté la police que RNDDH en danger, que ville en danger. Gagne près de 12 nèg dans base crash édifié selon ça rapporté qui passait devant local RNDDH qui venait intimider yo paré pour tuer etc. Gagne des cas isolés de menaces intimidation. Donc na imagine nous si tout moun apprend menace, si tout moun et a subi zak terroriste sa yo. Na imagine nou quantité problème pays a bien. Na imagine nou ki trou pays a pied. Nou pa gen des forces de police qui là pour sécuriser tout moun. Si chaque moun après les la police on bon, moins menacé, moins en danger. Qu'est-ce qu'a fait que pays a pralé? Nou pa en guerre, pa ka gagner propre refuge non même pays. Nou pa en guerre, Haïti pa Somalie, Haïti pa et nou pa Pakistan. Nous pas Syrie, nous pas Libye. Je dis en là, nous pas ka nan situation ça, nous pas ka vivre situation ça yo. Si pays a en guerre que nous connaît pays a en guerre, là ça tout monde a préparé, tout monde a connaît comment pour vivre, tout monde a connaît qui est-ce qui est ennemi yo. Je dis en nous pays ou pas connaît vraiment ennemi yo. Ou pas connaît si c'est seulement bandi en qui est ennemi ou pas connaît si c'est moun kap dou la protéger contre bandi en qui est ennemi ou tout. Fok nous réveiller, nous fok nous prudent et fok autorité l'état reconnaît que au gon engagement gain des responsabilités pour respecter et nous même tout comme peuple si nous wè autorité ou pas capable nous réponse fok nous mettez nous dans condition fok nous mettez nous dans situation pour nous exiger des réponses parce que c'est pour nous y a travail c'est nous même qui paye c'est l'argent nous y a manger donc nous pas capable vivre mal pour tout monde ça va vivre bien. Ça, c'est un fait. C'est pas un appel à la violence, c'est pas un appel aux armes, c'est pas un appel à la rébellion. Mais je dis, il y a une nécessité pour un équilibre. Il y a une nécessité pour une stabilité en dedans pays. Moi-même, toujours prêt pour m'engager, moi engager dans la bataille. Et ou même qui sauve les pour pays, qui sauve les pour générations qui viennent. Trop gang. Instabilité politique, ça a duré trop. Insécurité, ça a duré trop. Complot programmé, ça a duré trop. Fok bagay sa yo suspend. Fok pays yon alon souf. Fok nou ka viv tan kou moun nan pays nou. Pays yon pa gemet. Haïti pa gemet. Pays yon se pou nou tout liye. Pa ka gen zon de nou doa. Pa ka gon delimitation kote ke yon interdit rentre. Kote ke yon groupe nèg pran pays yon en otage. Bourgeois pran pays yon en otage. Gang pran pays yon en otage. Donc là, son politique vire m de bon son pays côté que ou pas à l'abri de quoi que ce soit, pas à l'abri de qui que ce soit là-dedans. Fok donne yo changé, fok situation sa yo changé. Haïti pa gemet, Haïti c'est pour nous toutes.
Moment arrivé pour mettre un bout dans l'émission mon éditorial pour aujourd'hui. Mais avant m'aller, qui t'aime rappeler, qui t'aime songer, corona toujours là. En nous respecter mesures sanitaires, en nous respecter gestes barrières. Songez pour toujours laver mes mains, désinfecter mes mains, mettre cache-nez, respecter distanciation physique. Et ou même qui est à l'étranger, ou même qui est vacciné, toujours songer pour protéger ou protéger l'entourage. Et ici, là, nous connaissons la question vaccin là, li soulever un paquet d'inquiétudes, un paquet de tollé à fait sur la qualité vaccin, sur l'impact vaccin qui a gagné sur la santé. Donc, en nous été prudents, en nous été véatifs, en nous protéger une autre. Rendez-vous à l'écassé pour demain sous même chaîne, non, non, même l'heure. Principe n'est pas changé. Continuez à partager vidéo avec tout contact. Partagez sur Telegram, partagez sur WhatsApp, partagez dans différents groupes. Nous connaissons pour plus de monde qui a conscientisé, pour plus de monde qui a connu ce qui a passé dans le pays et comment ensemble nous avons cherché des solutions durables, nous avons proposé des éléments de solution, des éléments de sortie de crise. Déjà, m'abdou, merci pour écouter, merci pour fidélité, merci pour attention. Et un grand merci à Wilson, oui, c'est ça TV pour montage, à réalisation, émission. Des micro-présentations, c'est toujours même Yannick, la même voix. Rien n'a pas changé. Merci tout le monde. À la prochaine. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remé pays, et puis on agit. Entre désespoir, de machination politique, et l'ennemi dit, mon éditorial, vous dit tout. Émission mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique comme domine pays d'Haïti. Mon éditorial, sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, monsieur Chanel Paul là pour qu'a bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Nous bral la balle pays, nous bral le débat, c'est toujours même Yannick l'en même voix. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre chaîne Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus.